père ayant toujours rêvé de que je sois technicien agricole, moi, j'avais été dans des écoles spécialisées pour ça, mais en cours d'année, ils nous annoncent qu'il y avait très peu de places disponibles. Et je me suis un peu laissé aller. Et alors, c'était un peu de l'année blessure, là où j'ai échoué mon examen, que je me suis dirigé vers la mécanique, parce que finalement, bon, moi, j'en avais toujours un peu rêvé. Alors, j'ai suivi les stages de mécanique, formation accélérée, et puis après, je suis rentré chez un patron, et puis ça a bien marché. Et puis, ben, ça fait deux ans que je suis, pas tout à fait deux ans que je suis à mon compte. Ben, je suis en train de faire une expertise pour pouvoir chiffrer, pour pouvoir faire un devis de réparation qui me donnera si le prix de la voiture correspond au prix de la réparation, parce que comme la carrosserie est assez malsaine, il vaudrait mieux peut-être la mettre à la ferraille que de la réparer, parce que sinon ça n'en vaudrait pas le coup. Alors c'est le client, voilà, qui vous a demandé de regarder. Oui, c'est le client qui m'a demandé de vérifier si ça valait bien le coup de la réparer ou pas. Voilà. Allez Jean-Claude, je t'amène quelque chose de beau, tiens. Oh, c'est la cocotte minute. T'as pas de chance, toi, hein? Regarde, tiens. Ah, oui. Le pas parce que tu vas le choper par la gueule. Ouais. Et le malocontact. Le malocontact est brûché, je crois, mais la loupière est grillée, tu vas... Ça, c'est pas de bon alors. Le bon ou pas, il faut me dépanner et au plus vite. Ouais. Et bien, il faut, comme d'habitude. Il faut qu'on attaque. On va déblayer et puis on va la rentrer. Et tu le sais. On va la rentrer. Tu l'as là. On va finir ton travail. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je suis en train de régler la richesse d'air du carburateur. Parce qu'il tourne pas très rond. Et vous savez réparer tous les moteurs? Avec des appareils comme ça, il n'y a pas de problème. On arrive à régler tous les moteurs. En ayant un peu de patience, il faut avoir de la patience parfois. Puis ça vient tout seul. Bon, alors là, je vais finir mon réglage. À quoi sert le stroboscope qu'on va clignoter là? Il sert à régler exactement l'étincelle au point précis où elle doit être. Parce que suivant les moteurs, suivant les consommations, suivant les puissances, ça varie le point d'allumage qu'on appelle, se fait entre 0 ou 0, 10 degrés, ça dépend des moteurs. Celui-ci est calé à 10 degrés exactement. Là, je suis en train de le régler. Voilà. Là, j'y suis. Alors, je bloque le distributeur qui donne le point d'étincelle. Et lorsque je l'ai tout bien bloqué, je revérifie s'il n'a pas bougé. Sinon, même il arrive parfois que, même avec la température, quand un moteur a une température normale, le calage, voilà, il est correct. Le calage varie. Ça fait combien de temps que vous êtes mécanicien? Ça va faire 4 ans. Et comment vous avez appris ce métier? Ben, j'ai commencé par une école d'apprentissage. Et quand j'étais plus jeune, moi j'aimais bien m'amuser avec des vieilles mobilettes, des trucs qui ne marchaient pas. Alors j'ai toujours, disons, aimé ça, quoi. Alors j'ai continué. Puis après l'école, quand il a fallu prendre une décision, quoi, j'ai pris la mécanique. Vous avez une voiture? Oui. Vous l'avez arrangée à votre façon? Ben oui. Comme tous les jeunes, je pense. Puis étant mécano, ça facilite la chose. Et quels sont les inconvénients du métier? Bon, il faut être très calme, assez agile. Et puis il faut aimer. De toute façon, il faut aimer. Quand on n'aime pas le métier, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas de mystère. C'est pas la difficulté. C'est peut-être les papiers. Parce que, disons que moi, personnellement, je suis passionné par
par la mise au point d'un moteur, par le vrai métier. Donc il y a quand même eu de contraintes, c'est qu'il y a la facturation, il y a la comptabilité, il y a les banques, il y a beaucoup de contraintes pour moi personnellement. Heureusement que j'ai mon épouse, parce que c'est elle qui me met pratiquement tout à jour, c'est elle qui me dirige. Je l'aide au point de vue gestion pour son entreprise. Je tâche d'être assez rigoureuse sur le travail de secrétariat, étant donné que c'est quand même assez important. Et de ce fait, il a un peu plus de temps pour travailler avec ses mains. Et cette voiture bleue là, qu'est-ce que c'est ? Ah, celle-ci, c'est la voiture de l'année. Ça fait un an qu'elle est là. Je l'avais achetée pour ma femme. Je voulais la terminer en fin d'année. Et puis, elle est toujours là, tellement pris par la clientèle. Toujours, c'est moi qui reste. Alors, pour prouver que le proverbe, le dit-on, que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, et ça doit être vrai. Mais comment avez-vous fait pour apprendre ce que vous ne connaissiez pas en gestion ? Au point de vue gestion, j'ai pris des cours à la Chambre des métiers du département. Ce sont des cours qui sont gratuits et qui permettent, au bout de 3 mois, d'avoir des notions essentielles pour cette gestion. Pour l'instant, vous gardez votre métier à l'extérieur ? Oui, je le garde étant donné que, pécuniairement, on a besoin de mon apport. Mais par la suite, j'espère bien aider mon mari à part entière. Quel sera l'avantage de ce changement ? À la fois, un peu plus de liberté. Et ensuite, pouvoir être tous les deux au même endroit, faire la même chose, s'aider moralement. Vivre la même aventure. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour s'installer à son compte ? Non, avec très peu d'argent, on peut débuter. Surtout moi, j'ai eu la chance de trouver un garage à location avec tout l'outillage dedans. Pourvu qu'on ait 4 sous pour pouvoir acheter les premières pièces et que les premiers clients payent assez rapidement, on a très vite le capital pour pouvoir tourner. Non, très peu. Il faut que je tire. Les dégâts. Ah oui, effectivement. Ah ben là, il y en a une. Là, il y en a une autre. Puis alors, le couple conique, lui, il a drôlement du jeu. Les vis de fixation doivent être débloquées. Vous savez réparer tous les moteurs d'automobile, les moteurs de tracteur, vous savez tout faire. Ah ben oui, parce que de toute manière, c'est tout sur le même, c'est toujours le même principe, c'est toujours le même fonctionnement. Et les réglages, bon, sont plus ou moins identique puisque c'est pas les mêmes vitesses de rotation et puis comme nous, de toute façon, nous ici dans la région, étant donné qu'on est en pleine campagne, nous avons pas mal d'agriculteurs, on est obligé d'en tenir compte. Le matin, il est très courant lorsque je me rends à mon atelier, suivant le temps qu'il fait, si il pleut, bon, je me dis aujourd'hui il y en a qui vont pas démarrer, si c'est l'été qui fait très 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 chaud le matin, très de bonne heure, j'ai dit ils vont partir. Les roulements vont chauffer, il va y avoir des roulements qui vont lâcher, c'est tout à fait courant. Tout comme en fin de saison, si jamais il pleut le matin, il faut qu'ils ramassent quand même leur maïs. Alors ils vont dans les champs, c'est tout mouillé, alors là, effectivement, il y a une casse terrible. Il ne veut pas démarrer. Eh bien non, on a bricolé là, mais il ne veut pas toujours pas démarrer. Alors. On va voir. Alors, peut-être qu'il va falloir changer les batteries. On va contrôler. Vas-y, pouvoir donner un coup de démarreur. Voir ce que ça donne. Ah ouais, effectivement, elles sont bien neuves. Il va falloir les remplacer par des neuves. Et... Ça ne donne rien du tout. Hein. Oh non. Non, il chute complètement alors. Vas-y, réessaye pour voir. Ah non, il n'y a pas de problème. Hein. C'est bien mort. Hein. On va aller chercher de batteries neuves. Comme ça, tu pourras aller travailler. D'accord. C'est bon ? C'est bon, si je te dis. On fait comme ça. Je vais y aller.
la mettre en marche. Appuie sur la surcharge pour voir. Ça y est. Voilà. Ça va. Ça marche. Tout charge, la dynamo. Plus de problème. Essaye-le. Je vais démarrer. Allez. Ouais, tu démarres, tu t'envoies. Pour voir. Tu essayes à fond. Pour voir si la, si la dynamo, elle charge tout le temps. Hein. Je suis né dans la campagne, je suis né dans une ferme et j'ai conservé dans mon esprit l'amour de la nature. Mon premier plaisir, c'est la chasse, la promenade avec les chiens. Allez, cherche, allez. Oh, t'es fatigué. Mais dis donc. Allez, cherche, là, là, là. Allez, cherche. Il est parti. Il est pas. Allez, cherche. Tu peux faire le petit os. Viens. Sympa, t'es. Allez, viens là. Viens. Allez, t'es. Allez, viens. Allez. 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 Viens ici, viens.